Et coucou tout le monde, bienvenue sur la suite de BIP, bonjour. Pas VIP, hein, BIP. BIP, voilà. Bonjour, bienvenue. Du coup, par rapport à la vidéo qui était en live, du coup, je vous ai un petit peu... j'ai continué un petit peu les quêtes de mon côté, tout simplement, et je me suis fait la tour à mob qui m'a été tant demandée. Donc merci à la Cursed Earth pour l'avoir eue. Vous mettez en fait une cursette comme ça, vous en mettez un autre bloc, un autre bloc, un autre bloc, vous montez tout en haut également, hein. Bon, il y a les échelles pour y accéder, qui vous permet tout simplement en fait de faire propager, et grâce à ceci, hein, donc vous en mettez un, vous propagez, et ça part tellement vite dans tous les côtés, c'est magnifique. Du coup, voilà. Du coup, par la même occasion, du coup, j'ai fait d'autres graines, j'ai fait surtout les poppies, en fait. Pourquoi? Ça m'a permis d'avoir, en fait, des fleurs de Botania, qui se trouvent là. J'en ai fait une tonne et du tonne, et grâce, en fait, aux eaux, pas aux os mais les os des squelettes, ça m'a permis en fait d'avoir un stock assez conséquent de un petit peu près tout. Bon, pour l'instant il n'y a pas le rangement initial de tout ça, on y reviendra de toute façon plus tard au niveau de la petite installation là, mais en tout cas les sticks là, je vais les augmenter juste d'un bloc, qui va me permettre tout simplement de pouvoir les ranger par la suite. En tout cas, ça craque bien. J'aime bien la Witch aussi. Hop là. Donc ça, je ferai un petit rangement plus tard. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais voilà. Quatre insultes, j'en ai besoin, naturellement. Du coup, au niveau de d'un petit peu des quêtes, j'ai un peu avancé. En fait, j'ai surtout débloqué des quêtes pour permettre d'accélérer un petit peu, parce que je trouve ça que c'est un peu lent. Donc du coup, j'accélère. J'ai fait Tinker. Merci comment ça s'appelle? Le smelter et le sagmill, qui me permet en fait tout simplement d'avoir du sable assez facilement grâce au flint qui se trouve là. J'ai également ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai beaucoup de choses comme ceci, c'est pratique. On va dire c'est pratique. Oui, c'est pratique. Heureusement que je les ai faites. Ça me permet d'avoir de l'aluminium. De même. Ah, de la manilium. Manilium, voilà. Manilium qui me permet d'obtenir en fait des armes assez pétées par la suite. Donc je vais faire fondre tout ça. Hein. Donc c'est que des nuggets que je fais fondre. Je peux pas les faire. Ah si, j'aurais pu les faire en lingot en fait. Ouais, bon, c'est pas grave, ça les fait cuire. Mais voilà, en tout cas, ça c'est cool. Cependant, au niveau du coup de mes quêtes, j'en ai 7 à débloquer. Ici, pendant le live, du coup, j'ai fait buter un Wither et j'en ai chié pour le tuer. Il a failli me défoncer, donc du coup, je pensais en fait qu'il allait me donner un... Viens là, l'Underman. Et le téléphone, c'est pas le moment. Alors attendez. Voilà. Du coup voilà, un petit peu la tour à mob aussi. J'ai mis du Dark Glass en fait un petit peu partout. Je trouve ça cool. J'aime bien les voir descendre en fait. Vu que c'est que du string et du verre. Du verre modifié qui est à base de sable et de verre. Donc du coup ça me permet de faire ceci. Ça c'est que de la laine, hein. Donc la laine comment? C'est que du string. Bon, bien, voilà. Bon bah vous l'avez vu. Voilà, c'est que du string. Et le string, je l'ai grâce à la petite abeille qui se trouve là. Quand elle me fait du string en fait. Ouais. Oh, il y a de l'iron. Oh, il y a du coal. C'est cool. Le coal, c'est cool. Lol. Voilà. Donc. Oh! Des ferrous. Oh, des pétales. Je prends les pétales.
La fameuse Botany Drone que j'en ai chié pour avoir, c'est fou. Mais une fois que je l'ai eu, bah, j'en suis plutôt content. Ah oui, ça me permet de remplir quand même pas mal de choses, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, au niveau en fait de Botania, du coup j'ai mis des End of Flame, donc à base de comburant, qui est tout ce qui est charbon, bûche et autres. Vous l'injectez ici, bah, vous l'injectez, vous le déposez, et eux, ils vont chercher dans un périmètre de 3 par 3 autour d'elle, pour gober en fait le call. Donc, si t'en fais, donc la Windsome me permet d'obtenir des underpearls, du shiny, ce genre de choses. Donc, c'est nettement bien. Et du coup, je me suis pris des Cryotherium Stabilized à la place des résonantes, parce que l'énergie, bah, j'ai tout ce qu'il faut encore. Il y a le DNA Die qu'il faudrait chercher, la DNA Die. Il faut bien la chercher, celle-là. DNA. Hop, DNA. Le DNA, en fait, c'est du magenta. Et il a de l'ostone, donc la magenta, c'est du lapis ou du bleu avec du rouge. Donc, du fait qu'on a comment, des choses comme ceci, on va se prendre tout simplement un petit pot qui est de Botania. Je me suis remis en fait la crafting. Comment? La cra. Vrai. Tac, tac, tac. Voilà. En fait, je me suis repris tout simplement la... Comment la... What? Genre, on peut pas. Normalement, on peut. Hein. Ah, ok. C'est une planche et un stick. Ok. Non, j'ai dit un stick. Voilà. C'est magnifique. Hop, hop, hop. Le bol, le stick. Ouais, au pire... Hein, Voilà. Le mortard qui nous servira en fait tout simplement à faire notre DNA die. Ici, il en faut 8. Il faut faire du magenta. Alors on pouvait faire du magenta, purple machin, ça en donne 2. Ou vous pouvez simplement économiser en mettant de la glowstone. Ça en fait 8. Donc, il faut du blue. Le blue, on peut l'obtenir. Blue. Blue, 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 light blue, blue. Voilà. On peut en obtenir une comme ça. Ensuite, vous avez, je vais juste à faire ça pour obtenir du blue. Ainsi que du red. Et comme on a une tour à mob, grâce un petit peu au witch, on peut obtenir de la glowstone. Même beaucoup de redstone. Hop. Je mets juste des pots comme ça. Hein. Voilà. Donc une glowstone, j'ai dit une. Voilà. Et vous faites votre petit mélange. Tac. Et ça en fait 8. Voilà. Là, j'en ai 16. Le DNA die. Donc du coup, au niveau de notre quête, en manuel, on en obtient deux, on obtient un analyseur. Oh, et Pierre. Oh, c'est cool. Je vais pouvoir la changer. Analyste, analyseur, l'analyseur, je me rappelle plus comment ça forme. Ah oui, ce truc là, oui, je m'en rappelle bien, c'est de la merde. Non, franchement, ça a tellement changé le mode que c'est un petit peu de la merde. Donc, du coup, une fois ça, bah du coup, il me faut du string. Je vais changer mon armure. Hop, voilà. Manuel. Clem. Oh, cool. On obtient d'autres abeilles. Hop, hop, hop. Pouf, 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 pouf. Voilà, sinon je vais me faire tailler en pièces. Eh bah ça c'est cool. Ah oui, en plus, les têtes de wizard, on les a vraiment en fait. Du coup, les wizarding, là, je vais les virer. Alors, pourquoi je vire, c'est tout simplement, j'en ai déjà largement ce qu'il faut. Et l'avantage, c'est que, en fait, sur les Withering, j'ai mis régénération. Donc, du coup, bah, en fait, je me fais pas piquer. Et ça, c'est l'avantage. Il fallait que deux machins. Ok, c'est cool. Du coup, au niveau de ceci, est-ce que j'en ai d'autres encore qui squattent?
Ouais, j'en ai là. Donc 2, 2, 2, 2 et 2. Là. On va faire ça. Hop. Et 61. Voilà. Donc il m'en faudrait encore 2 si c'est possible. Ben, voilà. C'est magnifique. Et ça me fait 8 têtes de plus. Oh, c'est cool. Ah. Ça me fait 8 têtes de plus. Donc ça, c'est cool. On va chercher un petit peu de la Soul Sand. Que j'ai foutu quelque part. Ah, ça m'en fait 9. Ça, c'est cool. 3, 4 fois 3, 12. Hop, voilà. Allez, fais-toi péter, mon gros. Du coup, on va continuer nos quêtes tranquillement. Il faudrait que je bouffe un petit coup d'ailleurs. Voilà. Et là, il est en train de crever tranquillement. Ça va? Bah oui, hein, tu vas bien, moi aussi, hein. J'aime bien l'entendre crever en fait. Tout ti tout ti tout tout ti tout 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 ti tout ti tout ti tout tout ti tout 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 ti tout 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 ti tout 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 ti tout ti tout ti tout ti tout tout ti tout 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 ti tout 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 ti tout ti tout ti tout tout ti tout 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 ti tout tout ti tout 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 ti tout 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 ti tout tout tout. Voilà, bon, enfin bref. Du coup, on va continuer. Donc il nous demande de faire du Honey Drop. Ouais. T'es sérieux? Du Honey Drop, j'en ai un, la blinde. Oh, des atunèdes. Oh, mais c'est cool. Honey Drop. Ah, j'en ai plus ici. Ah, si, j'en ai. Ah, m'en faut 32. Hop, et je te l'aime. Donc des valiantes, des atunèdes, donc ça c'est important. Des enders, ça c'est cool. Les atunèdes, je sais qu'on pouvait en faire quelque chose de bien. Ou pas. Ah si, des enders. Des... Eh ouais. On peut faire de la soule. Atunèdes et ouais. D'accord. Ouais. Ça c'est cool. Du coup, bah ça c'est bon. Faudrait que je fasse un autre coffre pour messieurs là. Tac tac. Est-ce que j'ai une planche sous la main? Non, j'ai pas de planche sous la main. Hop. En fait, pourquoi une planche? C'est tout simplement pour bon, faire ceci. Hop. Faire en fait une upgrade, tout simplement. Tac, tac. Voilà. Ensuite, vous le pétez. Et vous pouvez le mettre là pour remettre vos abeilles. Voilà. Hop. Donc le nez, on le remet là-haut. Ceci étant fait, maintenant, il me faut une autre spéciale. Ah bah. Voilà. Je réclame. Oh, les monastiques! Oh, c'est cool. Oh, des frugales. C'est encore plus cool. Oh, c'est bien. On obtient des bonnes petites abeilles. Qui nous permet de faire les austères. les austères. Squelette, hein, pas la poudre. Alors, les austères qui nous permettra de faire les célébratories. Ah oh, oui, je veux la faire, celle-là. La creepy qui vous permet d'exploser la gueule. Les austères, les Hanzoï, machin, l'exotique, 7 luèdes. Ah, les fameuses 7 luèdes. Ils sont tellement bien à faire cela. Les diamantines, les émeraudes et les dents. La 7 luèdes, pourquoi? Parce que ça me permet de faire l'abnormal, en fait. La veille qui est assez chiante à avoir. Quand vous faites rien. L'hermétique qui est cool. Qui permet de créer de l'X. Ah non, pas celle-là, c'est du blé. L'abnormal.
qui permet tout, celle-ci avec une hémertique, hein, donc c'est celle qu'il faut. La spatiale, en fait, la spatiale nous permet de faire la quantum après. Pourquoi la spatiale? Parce que je l'aime bien, son pouvoir, c'est qu'elle permet d'éjecter les mobs qu'elle touche, ou les joueurs, à entre 2 et 150 blocs de haut. Oui, je sais, vous aimez pas le coco à côté qui gueule, j'aime bien. Et ça permet en fait de faire des Slimming Kong, du Certus. Le Certus qui donne en fait du Certus Quartzus, du Nether Quartz et du Onidrop. Sinon ça va? Je vais te finir. Voilà. Et ben voilà. Hop. Non, c'est pas ici, c'est pas ici. Pas ici, pas ici, c'est peut-être là, je sais plus. Non, c'est pas là. Ah, Nether Star. Tac, tac. Voilà. Donc les frugales, les cocottes ici. On va en rajouter un petit wither pour le refaire péter. C'est bizarre, mais j'aime bien quand ça pète. Allez, fais péter mon gros. Vas-y, amuse-toi. Du coup. Bon, voilà. Du coup, on continue. Bon, bah, ceci étant fait. Ah, elle est vraiment faite, en fait. Ah bah oui, comment, celle-ci elle est faite, elle est à 100%, donc on vient de la finir. Celle-ci nous servira à l'Electrum, donc c'est du Gold et du Silver, et ça c'est de l'Inbar. Mais bon, on fera les petites abeilles plus tard, la Skystone qui est très chiante. On verra ça comment faire plus tard. D'ailleurs, on peut faire de la Skystone Dust. Ah non, j'ai pas le... J'ai pas Ex-Nilo, donc ça va pas le faire. Ah fuck, j'aurais bien voulu. L'onée, bon, toujours au même point. Les ressources, du coup, on a l'athlée, hein, mais je vais pas l'athlée tout de suite. On a la rotten flèche que j'ai faite. On a la gunpowder. Et du coup, il nous demande d'avoir des blitz. C'est pour ça que les blitz powder, c'est quand même bien. Alors, blitz powder, par contre. Voilà, c'est grâce à ceci, mais aussi de la blizzy. Et la blizzy, en fait, c'est la... Shroud machin là. La shroud machin c'est quoi ça? Ah c'est juste avant la speedy. Donc je dois en avoir une celle-là. Qui me permet en fait d'obtenir la blizzy avec une windry. Et la windry je peux pas l'avoir pour l'instant. Okay. Donc ça bah on y reviendra plus tard. Hein. De toute façon on a le temps là, avant de la faire. Et ça ça va être quelque chose d'assez doré donc ça doit être cool. Ça a l'air d'être assez cool. Donc je ferai ça un petit peu en off. Au niveau des génétiques du coup, en fait il faut avoir botanique, le gène de botanique. C'est pour ça que j'ai en fait l'abeille qui est où ? Qui est ici, qui m'en produit en fait, tout simplement. Donc voilà. J'aime bien entendre le wither crever en fait. Qui nous donne ensuite bah justement la fameuse abeille qui on va commencer Tomcraft. Hop, on claim. Faut avoir 32 zones de perles, c'est fait. On doit avoir un Lusatic. Lusitanique. Qui est du floral et un string. Ça va, c'est du vert. D'accord, fertilité 2. Thermal, d'accord, ça c'est cool. Tomcraft, avec tout ce qui va bien avec, hein, naturellement. Ouais, des fois ça crée des bugs de son, et je voulais le forcer en fait. Donc du coup ceci bah, c'est tout simplement un string
Hop, tout simplement un string dans la mana. Voilà. Vous prenez ensuite... Oh, bah tiens, je suis... le green. Vous en mettez pour 6. Pour 8 plutôt. Pouf. Et voilà, et ça vous fait votre blason. Press none to amulet. Oh. Ah ouais. Ah c'est cool. Bon, bah ça c'est cool. Du coup au niveau de la quête, on va pouvoir... Oh. Vigor. Vial fortune. Oh tiens, je vais prendre ça. Merde, je peux pas claim parce que j'ai pas assez d'accessoires sur moi. Tac, donc ça je vais cuire. Hop, je vais cuire ça parce que j'en ai pas besoin. La roquille, bah, je peux la mettre avec les autres abeilles. Hop. Donc ça c'est cool, ça permet d'aller là. Boltanic, c'est bon, là. Voilà. Donc on a une petite armure super sympa. Je sais plus si... Je crois que c'est celle-là en fait qui me donne régène. Hein. De toute façon on va bien le voir. Hein. Ouais c'est elle. D'accord c'est cool. Bon bah ça c'est cool par contre. Il va falloir par contre que j'augmente un petit peu mon chest aussi encore. C'est très... C'est important en fait. Voilà, il me permet en fait de tout simplement déposer encore plus de choses. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On a les disquettes, on a ça. Comestible, amulette. Ah. D'ailleurs, il sert à quoi lui? Bubble. Non. Bah je sais pas. Je sais pas du tout, tant pis. C'était pour tester en fait. Malheureusement, je ne l'ai pas. Tant pis. Et en plus, la quête, on peut la refaire. Donc, pour ça, je l'ai jeté. Du coup, il nous demande de faire le pasteur de seed. MDR. Pasteur seed, je sais qu'il faut de la grâce avec la... pasture seed, je sais. Alors, pasture seed. Voilà, c'est de la grâce en fait qu'on met dans la mana. Ou sinon, il faut avoir l'abeille. Bon, l'abeille, je l'ai pas. Mais la grâce en fait, c'est. Voilà, c'est une grâce de base. Ou une dead blush. Ouais, de toute façon dans tous les cas il faut de l'herbe en fait. Et l'herbe je l'ai pas, je ne sais pas comment l'avoir l'herbe. Donc du coup on va être un petit peu obligé de passer par elle. Sauf qu'en passant par elle en fait il faut avoir une chance de cocu pour l'avoir je pense. Parce que on peut pas l'avoir autrement. C'est un petit peu dommage. Ah c'est résistance 2, ok c'est cool. Ça c'est cool par contre. Du coup, bah ça on va la laisser tomber pour l'instant. Il y a Tomcraft qui est sympa, qu'on va prendre en charge. Il faudrait aussi que je fasse en fait ma petite zone Tomcraft. Petite zone Tomcraft, je vais me la faire là, tiens. Voilà. Je vais me la faire là, ma petite zone Tomcraft. Tac tac. Je prends ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Touc, 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 touc. Voilà. Alors, du coup, on va peut-être l'étendre de 3. De toute façon, maintenant, les abeilles, en fait, ce que je fais, c'est une fois que je les ai,
Je leur mets le gène comment? Le gène régène. Donc du coup en fait elle me touche plus, elle me pique plus. C'est comme ça que je peux me permettre une armure plus solide à côté. Voilà. Ça devrait le faire là. Bon, bien sûr, il faut éclairer un petit peu, mais c'est tout quoi. Voilà. Je vais juste étendre jusque-là. Tac, tac, tac. Voilà. Et me faire mes petites barrières. Voilà. Alors pourquoi les barrières? C'est tout simplement pour éviter de se casser la gueule. Éventuellement. Cobble. Oups. Hop. Des petites torches. C'est important, les petites torches. Hein. Les petites torches, les petites torches. Tiens, je vais en prendre 8. Hein. En prendre 8 aussi. Pourquoi ça? Parce que ça me fait des sticks en fait. Voilà. Hop. Donc ceci t'en fait sur les bords, je préfère. Sauf bon, évidemment au milieu quand il y en a besoin. Tac. Voilà. Donc ceci étant fait, bah du coup ici je peux limite ouvrir. Ça me permettra éventuellement d'avoir une petite zone pour passer. Hop. Voilà. On a ce qu'il faut. On va se faire en fait à des escaliers pour permettre de bien monter. Voilà. Qui nous permet d'être tranquille après. Hop, toi tu dégages. Donc, ceci étant fait, prenons des coffres. Voilà. Et faisons des coffres. Bien sûr, ceci va bien partir, hein, les coffres. Hein, quand il y aura Applied, ça sera nettement mieux. Par contre, je ne vais pas le mettre là parce que si je vais mettre les bouquins, ça ne va pas le faire. Parce qu'il faut bien des recherches. Hop, on va le foutre ça là. On va le foutre là. Waouh, j'ai mes premiers aspects, c'est cool. La petite arcade qui va super bien. Mon petit lit, mon petit omnium, les avant de cette node. Je vais en mettre 3. Voilà, comme ça je vais avoir un petit passage au milieu. D'ailleurs, je devrais peut-être les espacer encore. Peut-être les mettre ailleurs en fait, les petites nodes là. Je vais les mettre ailleurs. Je verrai bien de toute façon. Je verrai bien. Ça, bah, j'en ai pas besoin pour l'instant parce que ça me sert à rien. Ah, le Wither. Ah. Bon, bah, j'ai perdu en fait 3 dettes. Tant pis, hein. Faisait plus de 3 minutes. Hop, hop, hop. Hartung! Voilà, c'est bon, tu peux péter. Alors, on doit faire ceci. Donc, la Earth Shard, en fait, les shards, si je m'en rappelle bien, parce que j'avais visionné un petit coup. Oui, voilà, comme ça je l'entends. C'est qu'ils sont assez chiants à faire, en fait. Parce que, il faut des abeilles. Il faut faire les abeilles, il faut surtout faire ceux-là. Et il faut faire la supernaturelle. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que c'est un peu chiant de faire. Cultivate et Eldritch. Bon, bah, je pense que... Ouais, d'ailleurs, je peux scanner quoi. Ah, cool. Ça, c'est cool. Ça m'étonnerait de pouvoir scanner. Il y a l'eau. Ça, c'est cool. Le bois. Bon. Oak leaf, bois. Non, le bois, je le peux pas. La moustone non plus, les vignes non. Il y a des choses que je ne peux pas encore scanner, hein. J'ai pas le wizard, on peut par contre.
Ouais, on peut pas en fait. Les chests, on peut pas encore. Enfin, on peut vraiment rien pour l'instant. Hein. Ah, il y a ça. Ça, c'est cool par contre. Petania, je suis pas sûr qu'on puisse d'avance. Oui. J'ai trouvé une nouvelle recherche. Pur Daisy, je crois pas qu'on puisse tout de suite. L'analyseur, ça m'étonnerait. La Nether Warp, la Soul Sand, l'obsidienne. Non. La torche, les barrels, non, bah non. Ça non plus. Ça m'étonnerait. La cobble non plus. Ouais, enfin bref, on verra ça plus tard. De toute façon, on n'en est pas là. Du coup, c'était ça, c'était les fameuses abeilles là. Il me faut une Cultivate et une Eldritch. Allons-y. Cultivate. Alors... Déjà, je prends ça. J'ai cultivate là, mais il me faudrait les vrais cultivate, donc ça veut dire deux queen. On va aller dans le mode store. Hop. On va chercher des cultivate. Non, c'est des valiantes ça. Cultivate. Bon, faut 128. Easy. Hop. Voilà. Sachant qu'il me faut aussi une Eldritch, est-ce qu'il y a... Eldritch ici. Imperial, Industrious. Sorcerous, Mystical, Mido, Forest, Water. Ah, il n'y a pas les... Eldritch. Atuned et machin. Ok. Bon, on peut pas trop. Faudrait j'attendre du coup pour une autre abeille. Bon bah ça c'est cool, donc me faut du coup une cultivate et ceci. Hop, vous voyez on peut faire la charmède, donc c'est bien la charmède qu'il nous faut. Pour avoir la super naturelle. Non c'était l'entropie que je cherchais. La chaotique qui se fait de la super naturelle. Voilà, super naturelle. La super naturelle qui se fait avec une charmède, donc c'est celle qu'on va faire, et une enchantée qui se fait une eldritch et une charmède. Voilà, c'est pour ça qu'il me faut une autre eldritch. Il me faut une autre eldritch. Eldritch. Ah là, la charmède est prête. Faudrait que je la fasse tourner la charmède. Putain, j'ai plus de place quoi. Elle a plus de place. Elle pue. Oh, c'est cool. Plus de place. Plus du tout. Si, il y a celle-là, tiens. La charmède. La charmède, il faut une Eldritch pour faire la super naturelle derrière. Du coup, nous, on va se laisser là. Hein, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Oui, je reviens vers vous une fois qu'en fait j'aurai la super naturelle, ça sera plus simple. Donc il me faut juste une Eldritch par-dessus. Qui est pas si cher à faire en fait. Il me faudrait peut-être juste une Sorcerous derrière. Sorcerous 64. Oh c'est bon. Voilà. Avec une Eldritch. Merci. Hop. Donc ça c'est cool. Donc toc, toc et toc. Non, c'est avec une cultivate. Hein. En plus si je me trompe déjà dès le début, ça va pas le faire, Brand. Voilà, une Eldritch. Et celle d'Eldritch là, une fois qu'elle est faite, il faut que je la fasse tourner. Tiens, toi, tu t'arrêtes déjà. Pouf. Voilà. Tac et tac. Faut que je la fasse tourner avec le reste. Tac. Faut qu'elle meure en fait. Pas besoin de la production, je veux juste qu'elle meure en fait. Tac. Je vais pas la mettre en boucle, ça sert absolument à rien. Ici, elle meurt, pas besoin de puissance en plus. Voilà, bon bah sur ce, je vous laisse. Bisous tout le monde, c'était IP.
Bisous.